Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Pouce Pièce Mania. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Bienvenue à vous tous si c'est la première fois que vous me rejoignez. Pour les abonnés actuels, ben voilà, vous savez, j'ai été absent pendant quelques jours, donc il n'y a pas eu de vidéo. Donc c'est avec grand plaisir que je vous retrouve. Aujourd'hui, nouvelle vidéo et comme vous voyez, les pièces, je suis en train de les mettre au même endroit. Puisque je sais pas, non, je vais pas le faire aujourd'hui, mais je vous en ai déjà parlé. Je vais vous faire une vidéo où je joue d'un seul côté uniquement. Ce ne sera pas celle-ci parce que j'ai regardé et après je me suis dit non, c'est beaucoup trop au centre. Aujourd'hui, ce n'est pas le bon jour pour la faire. Donc, je regarderai un autre jour quand les gains à gagner sont intéressants ou si sont sur les côtés. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, tout est vraiment centralisé au milieu et il y a une tonne à gagner. Il y a 50, 100, 150, 200, 250 euros en billets. Et également 1, 2, 3, 4, 5 dés, donc les dés c'est des bonus multiplicateurs pour ceux qui ne savent pas. Donc en fait, en fonction de nos gains qu'on aura gagné, donc le but c'est évidemment de gagner les billets et en fonction de ça, ça va venir multiplier nos gains. Et si on réussit à gagner plusieurs dés, ben, le gain va être multiplié par la somme qu'affichent les dés. Donc voilà, vous comprenez pourquoi c'est super important, je ne vais même pas montrer. Donc, comme d'habitude, j'ai pris pour 20 euros de jetons. Et voilà, on va pousser ensemble. Donc, mettez un gros pouce bleu sur cette vidéo. Et je tiens moi-même à vous remercier car on est de plus en plus nombreux sur la chaîne YouTube. Vous êtes de plus en plus nombreux à commenter, à vous abonner et à mettre des pouces bleus. Donc, ça me fait vraiment super plaisir et ça me motive de vous faire de plus en plus de vidéos. Allez, là, on est parti. On va essayer de bien pousser. Ça me fait plaisir de venir jouer. Il y a longtemps que je n'ai pas su venir jouer. Aussi, je remercie tous ceux d'entre vous qui me donnent des conseils pour essayer de m'améliorer dans les commentaires. Donc merci à vous tous. Si vous avez une petite stratégie spéciale, n'hésitez pas à me la donner. J'espère que ça va bien pousser aujourd'hui. C'est l'objectif évidemment. Voilà. Oups, j'ai fait tomber une pièce directement. On va pas les gaspiller. On ne peut pas non plus se permettre de gaspiller des pièces. Pas mal ça. Ah, belle avancée. On avait une juste là. Belle avancée ça. J'ai l'impression que le premier billet de 50 au centre, là, il est atteignable entre guillemets assez facilement. Parce qu'on pense toujours qu'ils sont au bord et 2 heures après ils sont toujours pas tombés. Mais je pense qu'il est atteignable et ce qui pourrait être bien c'est qu'il a l'air de. Il pourrait en fait pousser les 2 dés qui sont devant lui. Donc s'il fait bulldozer quoi. Ça pourrait être vraiment bien. Voilà. On va essayer de se concentrer, faire le meilleur try possible. Évidemment, je dis ça, je les rate toutes. Ok, pas mal. On commence déjà à se vider. Plus beaucoup de pièces. Oups. La pièce était évadée à l'autre bout de la pièce. J'ai couru à travers après tout le coup. Ouais, pas mal ça.
Il y a déjà un truc qui est tombé ou je rêve? Il y a déjà un dé qui est tombé ou je rêve? 1, 2, 3, 4. Il n'y en avait pas 5. Attendez, attendez, parce que là. Je vais récupérer les gains. Ah non, il est en dessous. Ok, en fait, il est passé en dessous du billet de 50 euros ici devant. Et je comprenais pas parce que ici, du coup, je vais récupérer ce qu'on a gagné. Je comprenais pas et je le voyais pas. Oups. Ah, décidément aujourd'hui, on a perdu l'habitude, on dirait. On ne sait plus manier les pièces. Ouais, pas mal ça. Ouais, ça a bien avancé. Oh, pas mal ça. Ouais, pas mal. Toujours rien gagné, mais bon, je pense que ça peut arriver. C'est plus qu'une question de temps, j'espère. Et j'espère pas trop long non plus. Ouais, pas mal. Là, il y a les 3 dés qui sont concentrés ensemble. Hop, j'ai tout mis à terre. J'ai tout mis à terre. Et ici aussi d'ailleurs. Ouais, pas mal, ça se rapproche. Ça se rapproche. Je pensais à ça, je regardais là. Aujourd'hui, il n'y a pas de bonus de jetons. Pour ceux qui ne savent pas, d'habitude, il y a des jetons qui sont sur le plateau aussi à gagner. Et on ne peut pas les échanger contre de l'argent en cash. Ça n'a pas de valeur cash, quoi. Mais on peut les échanger contre des jetons directement. Et là, je regardais, il n'y en a pas. À moins que qu'il y en ait un sous un billet, mais j'en vois pas. Là, niveau jetons, on n'est pas ultra riche. Pour l'instant, en tout cas. Parce que tout peut changer à tout moment. On l'a déjà vu dans
dans la machine pousse-pièce, des fois on est pauvre et à 30 secondes après on est riche. Et l'inverse aussi. Hein. Des fois on est riche et 30 secondes après on est pauvre. Allez, là, je pense au milieu, il y a un bon regroupement. Je vais essayer de toucher vraiment le maximum. Ok, je récupère. J'ai plus beaucoup. Là, il faut vraiment toutes les mettre correctement. Pas trop le droit à l'erreur. Ok, on récupère. Oh! Yes! La deuxième bague, je ne l'ai même pas vu parce que j'étais en train de ramasser les jetons. Voilà ce qui me reste. Donc là, ça devient important de gagner, quoi. Ah, il faut que ça rapporte là. Donc voilà ce qui me reste et on a toujours rien gagné. Ok, bon ben. Ah. Il me reste exactement 1, 2, 3, 4, 6 jetons. Il me reste 6 jetons. Donc on va les mettre ensemble. En espérant gagner quelque chose, quoi. Ok, dernier. Faut qu'il tombe bien. Ok, bon, j'ai plus de jetons. Donc, la deuxième vague qui nous a sauvés. Oh, on en a gagné que deux. Mais c'est toujours ça. Allez. Yes. Donc là, on en a gagné deux encore. Oh non. Ah, yes. Ok, bon, ça n'a rien fait. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller à l'accueil, je vais aller reprendre des jetons. Parce que là, je suis obligé, j'ai tout avancé. Je ne peux pas abandonner maintenant, ce serait trop bête. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller à l'accueil, je vais reprendre des jetons et je reviens tout de suite après. Tour, voilà, j'ai repris pour 20 euros de jetons. Donc, c'est aussi ça la réalité des machines pousse-pièces. On ne gagne pas tout le temps. Là, vous avez vu, la première fois, j'ai mis 20 euros. Ça n'a rien rapporté, même pas un jeton, même pas un billet, même pas un dé, rien du tout, nada. Donc les gens ils pensent que je fais que gagner parce que je poste uniquement les vidéos où je gagne. Il y a plein de fois où je perds et je le poste pas parce que faut pas que ce soit excitant ou intéressant à regarder. Donc je les poste pas.
Maintenant, si ça vous intéresse que je fasse aussi des vidéos où je perds, dites-le moi en commentaire. Je pourrais peut-être le faire une fois ou deux. Je dis pas que je vais poster que les perdantes. Mais ça peut peut-être être intéressant de varier un petit peu de temps en temps, quoi. Voilà, j'espère que cette nouvelle série de jetons va donner un nouveau souffle. Et vous savez à quoi je viens de penser? Ça faisait tellement longtemps que je t'ai vu jouer que j'avais oublié que je pouvais faire pause la première fois. Donc là, ben, je pense que j'ai droit à deux fois faire pause. Donc pour ceux qui savent pas, à chaque fois qu'on achète des jetons, la plateforme qui bouge ici, le plateau, eh ben, on peut la mettre en pause pour vraiment venir tapisser et mettre le plus de jetons possible, essayer de pousser au maximum. Et en fait, c'est une fois par buy-in. Donc là, vous savez quoi, je vais le faire tout de suite. On en a quand même droit à un deuxième après. Et j'avais complètement oublié en fait. Allez hop, on va essayer de venir bien tapisser. Pour essayer que ce soit le plus uniforme possible. Tous les mettre à plat idéalement. Ok, je vais prendre quelques pièces comme ça. Dès que le plateau il revient, je le lance. Ouais, pas mal ça. Bon, on aurait dû le faire. Oh là. On aurait dû le faire directement. Bon, on n'a rien gagné en billets. À gauche, ça s'est bien rapproché, les billets de 50 là. Bientôt devoir récupérer les gains. Ça commence un petit peu à se vider là, l'air de rien. Oh là, j'ai expédié. Oh, mais je sais même pas où elle est. Je sais même pas où je l'ai fait tomber. Je vais aller voir. Ouais, pas mal ça. Allez, bon, j'ai encore un peu de jetons, mais je vais déjà récupérer ce que j'ai gagné. Allez, pas mal ça. On a quand même gagné pas mal de jetons, donc ça c'est la bonne nouvelle, entre guillemets. Le lot de consolation pour l'instant. Allez, le lot de consolation pour l'instant, c'est qu'on a des jetons. Parce qu'on n'a toujours pas de billets ni de dés. Après, bon, les dés sans billets, ça sert à rien. On a déjà eu coup.
pas mal ça. Allez, ça commence à bouger. Mal. Le billet de 50 là il est presque dans les airs. Ouais, pas mal ça. Allez, là, je sens que ça commence à bien toucher. Ouais, sur la gauche. Pour ceux qui ne savent pas, là où je mets les pieds sur la gauche, c'est le maximum que la réglette en fait qui bouge de droite à gauche me laisse mettre les pièces. Des fois, il y en a qui me disent « joue plus sur la gauche et tout », mais voilà. Là, comme je viens de faire tomber la pièce, ben, en fait, pour réussir à la mettre aussi loin, il faut faire des petits effets en bougeant la réglette, quoi. Parce que sinon, toutes les mettre là, c'est impossible, quoi. C'est jamais très précis. Après, c'est fait exprès aussi, je pense. Si on pouvait viser au millimètre près, je pense, c'est quand même déjà beaucoup plus facile. Mais toujours pas de gain. Je sais pas si c'est une vidéo très intéressante pour vous jusqu'à maintenant, parce qu'on a toujours rien gagné. Je crois qu'on l'a dit au début, des fois on joue et 2 heures après il y a toujours rien. Bon là ça fait pas encore 2 heures, je sais pas depuis combien de temps je joue. J'espère idéalement que la situation va se débloquer d'un coup et que tout va bouger, ce serait évidemment l'idéal. Le billet sur la droite là qu'on pensait gagner en premier, au final vous avez vu, il nous a glissé entre les mains. Ouais, pas mal ça. Ouais, vraiment pas mal ça. C'est ça qu'il faut essayer de faire en fait, c'est des gros push ainsi. Voilà, comme ça, exactement. Bon, après, forcément, on ne sait pas le faire à chaque fois parce qu'il n'y a jamais le même nombre de jetons qui tombent, mais c'est l'idée.
idéal. Là c'est pas mal hein, parce que là il y a quand même trois gros. Oh, oh purée. Là ça devient intéressant. Là il faut se concentrer, il faut mettre les pièces correctement pour qu'il n'y ait pas de gros mouvements. Là c'est chiant parce que sur le plateau qui bouge, il y a pas mal de trous, donc en fait il y a pas mal de pièces qui vont servir à rien quoi. Parce que quand ça va pousser, ça va s'équilibrer en fait. Ça va remplir les trous. Allez là, faut que ça rapporte. On est trop près du but pour abandonner. Ah, là, pour ceux qui ont été attentifs, là, tout ça, ça vient de tomber sur les côtés. Et tout ce qui tombe dans les fentes latérales, nous, on garde rien de tout ça. On gagne uniquement ce qui tombe devant. On se rend pas compte, mais tout ce qui tombe sur les côtés, c'est immense. C'est une petite fortune à chaque fois qui s'en va. Pas mal, ça. Ouais, toujours pas. Bientôt plus de jetons. Allez, les trois dernières, et après je vais aller chercher celles que j'ai fait tomber, et puis j'irai chercher ce qu'on a gagné. Hop, allez, on récupère. Allez là, il faut que ça rapporte, hein. On est trop proche. Et là, je sais pas si vous voyez, mais
enfin d'office, vous voyez, il y a 3 billets, il y a 3 dés, pardon, sur le billet de 50. Pas mal, ah, dommage. Ça n'a pas fait grand chose. Allez, faut que ça tombe là. Les deux billets à gauche, ils se superposent là, ça devient n'importe quoi. Ils veulent pas tomber, hein. Allez, on continue de pousser là. C'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Allez, j'ai récupéré les gains là. C'est ouf, on a toujours rien gagné. Il y a des fois en 3 minutes, 10 minutes, on a gagné quelque chose. Et là, on a toujours rien gagné. Bon, ça vous montre la réalité d'être trop pousse-pièce aussi. Hein. Comme ça, vous voyez qu'on ne sait pas faire tout gagner. Oh, pas mal. Ouais, pas mal ça. Si on a juste le billet de 50 avec les 3D, franchement, il ne faut pas plus. Franchement, il ne faut pas plus.
Allez, je suis pas là. Pas mal. Récupère ce que j'ai fait tomber, M4. Allez, le 50, il a l'air au bord, mais en fait, de côté, quand je regarde de côté, il est même pas encore au bord. Hein. Parce que si je regarde ici, moi, du côté latéral, que vous avez pas, mais par rapport à l'inscription 50, il n'y a même pas encore l'entièreté du 5 qui est en lévitation, au-dessus du vide. On a bientôt plus beaucoup de jetons, malgré que je viens de récupérer. Que ça, on va essayer de faire du mieux possible, toujours rien gagné, toujours pas de bien. Bon, il me reste que 4 pièces. Franchement, c'est chaud. Hein. La dernière. Ok, bon, je pense que j'ai pas le choix. Je vais aller repayer une troisième fois. Mais regardez, ça fera 3 fois 20 euros, 60 euros. Et là, il y a quand même le billet de 50 qui est au bord avec des dés dessus. Donc, même si j'ai juste le billet de 50, au pire, je perdrai que 10 euros. Et je pense, d'un point de vue stratégique, c'est la meilleure chose à faire. Parce que si j'arrête maintenant, je perds 40. Donc, je vais faire ça. Ce sera mon dernier buy-in. Donc, il faut absolument qu'il rapporte.
Donc je vais aller faire ça tout de suite et je reviens après. On est de retour, on a repris pour 20 euros de jetons. Ben voilà, comme je vous ai expliqué avant la pause, 20 euros de jetons. Puisque ben, c'est trop bête d'abandonner maintenant. On a fait tout le travail pour les billets de 50, c'est pas pour les abandonner maintenant quoi. Donc on va pousser tout simplement. Donc là j'ai repris pour 20 euros de jetons. Objectif, le billet de 50 et au moins un dé. Un bon coup. Ça c'était super bien joué. Ça commence à bouger au milieu. Perdu une pièce encore, c'est pas grave. Failli oublier en plus. En plus du coup j'en ai encore deux. Je suis vraiment dans la lune aujourd'hui. J'espère comme que la vidéo vous plaît. Si c'est le cas, mettez un gros pouce bleu, mettez un commentaire et abonnez-vous si c'est pas encore fait. Allez hop, pas mal. Mais ça au final je sais pas si c'était bien joué. Parce que le billet de 50, en fait, il s'est un peu retourné. Et je pense qu'en se retournant, tellement il y a de la force, ben, ça n'a pas fait que du bien, en fait.
fond, il se vide quand même. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Il faut absolument gagner au moins un billet. La récupérer avant que quelqu'un ne me la vole. Allez, bientôt plus de jetons. On a une tonne de jetons, mais toujours pas de billets. Rien n'est fini. Ma troisième pause, hop. C'est bien tapissé. Ouais, pas trop mal. Ça a bien avancé de 50 par contre, là, j'ai l'impression.
toute façon, là, on n'a pas le choix. Hein. Il faut qu'on gagne. Dites-moi dans les commentaires si vous auriez fait pareil, vous, si vous auriez fait un troisième buy-in de 20 euros en essayant d'attraper le billet de 50 ou si vous seriez arrêté après la deuxième fois. Quoi. Je pense que d'un point de vue stratégie, c'est pas une mauvaise idée si les billets sont suffisamment proches et qu'on arrive à les gagner un certain nombre de fois. Ah, il glisse en arrière à chaque fois. Hein. À chaque fois, il glisse en arrière. C'est pareil. Tout le temps pareil. Bug un peu la machine là. Allez, faut que ça avance. Wow. Bon, bah, j'ai récupéré pas mal de jetons. Au moins autant que ce que j'ai payé. Oh, pas mal ça. Ça a bien avancé ça. Allez, là il est temps de remporter un petit billet. Je sens qu'on peut l'avoir.
il se retourne, j'ai l'impression, le billet. C'est pas une bonne chose. Plus de 3 pièces, bon, c'est pas super. J'ai l'impression que ça a pas bougé depuis une heure. Allez-y, il a glissé en arrière là. Oups. Ah là, ça se rapproche par contre. Le billet de 50 là. Je dis le billet de 50, mais attends en fait. Absolument que je le récupère, sinon ça ferait quand même une grosse perte. Ah là, il va tomber. Là. Oh, punaise. Il est retenu par le dé, là. Allez, là, on le mérite. On le mérite. Allez, viens voir papa, petit billet. Oh non, 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 tu peux pas glisser en arrière là. Si il glisse en arrière, c'est vraiment de l'arnaque. Hein. Purée, je sais même pas comment. Il y a juste le dé qui le retient, à mon avis. Et là, c'est chaud. Hein. Là, ça devient chaud. Il y a même une petite pièce qui est dessus, quoi, pour nous narguer. Allez.
Oh punaise. Là on est trop près, on est trop proche du but. Non, non, me dis pas qu'il va se retourner. Allez, si je l'ai pas, je porte plainte. C'est obligé. Avec le dé, ce serait super. Allez, non, là c'est obligé, on est trop proche. Récupère, parce que j'en ai mis plein à terre. Ok, allez.
Bon, il me reste que ça. Donc, c'est pas une situation super plaisante, super amusante. On n'a toujours rien gagné. Là, il y a le billet à gauche qui est en train de se faire avaler par la machine. Voilà, j'ai mis tout ce qui me restait. Bon, il me reste que ça. Je crois que malheureusement, ce ne sera pas pour aujourd'hui, les amis. Quatre jetons. Allez. Il a l'air au bord, mais il a reculé. Hein. Il est plus autant au bord qu'il était à un moment. Oula. J'ai lâché ma pièce. On en a un petit peu plus, voilà ce qu'on a. Ok, ben voilà, plus que 3 jetons. Je vais les jouer au centre. Une bonne nouvelle, ça. Ah, il a avalé, lui. Là, on est vraiment sur le fil du rasoir. On a quasi plus de pièces. Trois jetons. Et la dernière. Wow. Bon, mais dernier jeton, encore une fois. Bon. Bon, ben les amis, ben voilà, je suis désolé, mais malheureusement, on n'aura rien gagné aujourd'hui. Donc je suis vraiment déçu parce que j'ai vraiment cru qu'on allait gagner. À plusieurs reprises, on a été vraiment très très proche de ça. Donc malgré tout, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'aurais espéré une meilleure vidéo avec un gros gain pour mon retour. Mais puisqu'il y en a certains qui disaient de quand même poster les vidéos où je gagne pas, je pense que je vais de toute manière la poster. Comme ça, ça vous fera une petite vidéo. Et voilà, j'espère malgré tout que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un gros pouce bleu, abonnez-vous. Et moi, je vous donne rendez-vous très bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut à tous.